Salut, zami mouen. Jodi a, nan numéro 528, nan rubrique nou an, ma Bible, mon trésor. Dans la dernière partie du chapitre 1er, Jacques enseigne que l'étude des saintes écritures conduit l'homme à la maturité. Soti nan verset 17 pour arriver dans verset 25, nous capables de distinguer quatre grandes vérités concernant l'importance de la parole de Dieu dans nos vies. 1. Dieu nous a donné les saintes écritures, le livre ancien. 2. Les saintes écritures nous ont donné la nouvelle vie. 3. Le croyant doit nécessairement lire et attentivement les saintes écritures. 4. Le croyant doit prêter attention à ce qu'il lit. Déjà, dans verset 17 là, Jacques enseigne nous dans la vie chrétienne tout est grâce. Nous pas mérité absolument rien. Toutes les bonnes choses dont nous jouissons viennent de Dieu. La grâce de Dieu est manifeste dans notre vie, car tout ce que Dieu nous donne est excellent et parfait. Tout don excellent et parfait vient de Dieu. Jacques présentait Dieu comme la source, non seulement la source de toute grâce, mais également la source de toute lumière. Bon Dieu, Papa, nous qui dans le ciel là, il est le Créateur. Il est également la source des lumières. Dans la Bible là, mot lumière a un rapport avant tout au corps céleste, tel que le soleil, la lune et les étoiles. C'est bon Dieu qui créait tout bagay sa yo. Et il est également la source de toute lumière spirituelle. Toujours dans verset 17 là, Jacques a montré que Dieu est très différent des corps célestes qu'il a créés. Et c'est ça qui fait, même si nous t'ajoignons des ombres de variation, ça veut dire ça qui caractérisait le soleil, la lune et les étoiles. Mais en Dieu, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Notre Dieu, il ne change jamais. Même si vous avez remarqué que lumière soleil là, la lune là, yo pas brillé, mais pas jamais brillé. Dieu, en tant que la lumière divine, il brille toujours. Et c'est une garantie de notre victoire sur les ténèbres. Pour nous faire transition dans verset 18 là, n'a pas rappelé, parmi tout don excellent que bon Dieu ba nous yo, il y a les saintes écritures. Maintenant, verset 18 a commencé à enseigner nous le rôle essentiel des saintes écritures dans notre vie. C'est par elles que nous avons la vie éternelle. Le verset 18 précise « Dieu nous a engendrés selon sa volonté par les saintes écritures. » Dieu est notre Père spirituel. Par la parole, par la vérité, il nous a engendrés. Nous sommes sa nouvelle création. Nous sommes nés de nouveau dans la famille de Dieu. Et ça, c'est le plus gros privilège nous capables de jouir. Nous, c'est chrétiens. Et Dieu a fait tout ceci pour nous selon sa volonté, selon son désir. Pas oublier nos amis, moi. Dieu nous a créés par la parole de vérité. Et il a fait de nous les prémices de ses créatures. Dans l'histoire du peuple Israël, là, prémices voulait dire les premiers ou bien les meilleurs. Selon 1 Corinthiens chapitre 15 versets 20 et 23, Christ est les prémices des croyants. De même également nous autres chrétiens, nous sommes les prémices de tout ce que Dieu a créé. Ça veut dire nous sommes la meilleure partie de la récolte divine. Étant donc engendrés par la parole de vérité, nous sommes une offrande de qualité et agréable à Dieu. Et c'est la dimension ça nous doit conserver la vie nous par la grâce de Dieu et en obéissant à la parole de la vérité. Ou c'est un monde spécial pour mon Dieu. Ou c'est une offrande de qualité pour le Seigneur. Parmi les hommes, nous autres qui fait l'expérience de la nouvelle naissance spirituelle, nous sommes les prémices des créatures de Dieu. Et ça, c'est un grand privilège de comprendre ou de bail bon Dieu gloire. Et c'est spécialement invitation ça que nous faisons en attendant que nous retrouvions pour notre plus prochain numéro.
Et pas jamais oublier pour capable aider rubrique ça sous votre quoi abonner, profitez faire ça. Pendant abonner, à sous petite cloche notification, choisis tout. Ou capable toujours ba nous un like et laisser un commentaire. Et pas oublier vos messages ça ba quelques amis ou pour faire même bagala. Merci et à la prochaine.